Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de DTC. Alors aujourd'hui, on va essayer cette Mercedes SLK 200 compresseur de 2008. SLK, modèle phare de Mercedes sur tout ce qui est roadster. Dans les années 60-70, ça se faisait bien les roadsters et puis dans les années 80, c'est tombé un peu en désuétude. Fin des années 80, début des années 90, il y a Mazda qui a sorti la MX-5, la Miata, qui a remis un peu au goût du jour ce genre de véhicule. Et du coup, il a fallu quand même attendre un certain temps pour que Mercedes et d'autres constructeurs puissent réagir. Mercedes, c'est les premiers qui ont réagi, donc en 96, avec, c'était pas ce modèle-là, c'était le modèle d'avant, qui du coup, au lieu d'être un simple roadster de place avec une toile, Mercedes a pris le pari de ressortir une technologie qui existait depuis 1930 chez Peugeot. Ce modèle qu'on essaye aujourd'hui, donc c'est le 200 compresseur. C'est la deuxième phase, hein. Alors pour moi c'est la plus belle des trois modèles, hein. Le premier il a mal vieilli, celui-ci il est vraiment magnifique. Le troisième modèle là qui est en cours, moi personnellement je trouve qu'il manque un peu de personnalité. On garde vraiment le style roadster des années 60-70 avec le très long capot. Ils ont énormément retravaillé le bouclier avant pour que ça ressemble au modèle phare de la marque de l'époque, qui était la SLR Vision, hein. Donc clairement, Mercedes revient en Formule 1, donc c'est cet avant là type F1, avec même le petit rappel d'aileron là qui est super sympa. La voiture en elle-même, elle a vraiment une ligne très sympathique. C'est une voiture qui pourrait presque sortir comme ça dans la production automobile actuelle et ça dénoterait pas. Très grand capot comme sur les roadsters et comme sur la SLR Vision. Et bien sûr le toit rigide. Bon, aujourd'hui on va l'utiliser exclusivement en cabriolet, hein, parce que c'est quand même le but de ce genre de véhicule. Que ce soit en cabriolet ou en coupé, elle est assez sympathique. Le coffre il reste tout à fait convenable pour une voiture de ce type là. Ça reste une simple deux places, donc faut pas compter partir en vacances avec. C'est vraiment pour une petite balade bucolique. C'est pas le bloc le plus prestigieux de la marque. On n'est pas sur un 6 cylindres, on est sur un 4 cylindres compresseur. Qui fait 163 chevaux. C'est le petit moteur qui marche bien, il fait le taf, hein. C'est un moteur qu'ils ont mis sur pas mal de véhicules. C'est assez fiable, c'est pas non plus un foudre de guerre. Ça reste tout à fait convenable en termes de motorisation, hein. Au niveau de l'intérieur, c'est un intérieur de roadster, hein. Donc strict deux places. Les sièges ils sont super sympas là, avec cette espèce de coque derrière, on dirait que ça fait vraiment siège de course. Le cuir est plutôt de bonne qualité, c'est assez épais. En termes d'assises, on est bien, vraiment on est bien. Le volant, c'est un volant 3 branches, hein, donc voilà, on est dans une voiture à vocation sportive. C'est un habitacle assez simple. Dans la production actuelle automobile, on pourrait retrouver quasiment le même type de tableau de bord, que ça poserait pas vraiment de problème. Le petit écran à l'époque, c'était déjà déjà plutôt pas mal. Et le point de la Discord qu'il va y avoir aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire que c'est une boîte automatique qui, à mon sens, n'a rien à faire dans cette voiture. Ça reste tout à fait simple comme habitacle, mais efficace. I was young and didn't understand my heart. Spoke a tongue I never heard of. You were warned by all those words I couldn't say. C'est parti, maintenant on va tester un petit peu la bait, comme on dit. Avec moi, ce sera plutôt pépère, hein, je vous voilà, dis tout de suite. Ouais, tranquille, donc c'est Juju qui va commencer. Je suis pas un pilote, moi. Bon, vous l'avez vu sur les vidéos, on est dans les gorges de l'Ardèche, là. Alors, on s'est dit, pour tester un petit roadster, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Alors tout à l'heure, j'ai dit que c'était le 163 chevaux, et Julien m'a corrigé à coup de grande pompe dans le cul. C'est la 185 chevaux, c'est ça? Exactement. Donc c'est 2 litres compresseur. Voilà, donc 185 chevaux. On est sur du 1400 kg, c'est lourd quand même. Une Audi A4 cabriolet où il y a du coup deux places de plus, elle fait que 150 kg de plus. Après, ouais, mais c'est une Audi quoi. Ouais. C'est pas une Mercedes. Ouais. Mercedes c'est beaucoup mieux quoi. On a le toit rigide aussi, hein, qui forcément fait du poids. Hein. Bah, le toit rigide, l'avantage en tout cas, c'est qu'on se prend pas des coups de couteau. Parce que mon père a fait la meilleure expérience quand il était jeune, il avait souvent des toits cabriolets en toile. Et bon, tu rentrais le soir, et remarque, t'étais en cabriolet sans avoir enlevé la bâche quoi. Avec les coups de couteau, donc c'était génial. Ah, c'est vrai qu'ils ont... Et c'est toujours un peu le pas de se dire « Ouais, j'achète un cabriolet, mais finalement, quand ça va être l'hiver et tout, avec la toile, c'est chiant. » Sinon, là, cette petite bagnole sur les routes, là, sur les petites routes comme ça, là, c'est vraiment
Là c'est balade tranquille. C'est du balade plaisir quoi. Enfin, moi c'est ma conduite à moi. Hein. Je suis pas là pour faire cramer du pneu. Ça sert à rien, ça revient cher. Et bon, ça c'est pour les blaireaux style Guillaume quoi. Voilà. Moi je suis pas un blaireau quoi. On est bien niveau. En tout cas en tant que passager, niveau suspension. Il y a là d'avoir un bon compromis entre le confort et la fermeté, même si encore une fois c'est pas une voiture de sport. Moi franchement ça me va super quoi. Bon je peux pas dire le contraire, c'est celle de ma femme donc je veux pas avoir de soucis en rentrant à la maison. Merci Marie d'ailleurs. Hein. Merci Marie et les gars les commentaires donc soyez très gentils parce que sinon c'est moi qui vais avoir la gueule en rentrant à la maison. Donc merci d'avance les gars. Hein. Par contre, je sais pas si on entendra la caméra mais. Voilà. Moi le gros problème pour cette voiture là c'est que c'était vendu avec une boîte 6 méca d'origine et là c'est une boîte auto 4 rapports. 4 rapports ouais. Et en fait cette boîte auto je pense qu'elle était faite pour le marché américain. Ouais mais regardez, n'empêche on arrive à déboîter des vélos dans la descente aussi avec cette boîte automatique quoi. Ça c'est un truc, vous pourrez peut-être pas y arriver avec toutes les bagnoles. Ouais c'est sûr. Eh ouais, avec celle-là on peut les gars. Avec une Dodge au point mort c'est faisable je pense. Ça je suis pas sûr. Et celle-là elle peut le faire quoi. Le problème de cette boîte c'est que, bon, que ce soit une boîte auto en soi, bon, moi je suis anti-boîte auto. C'est pas pour dire ouais c'est une boîte auto c'est de la merde. Il y a des boîtes auto qui sont bien. Pour le coup celle-ci, là on est quand même en mode sport. Ouais, ouais. Et les rapports, les changements de rapport, ils sont pas fulgurants. Après vous essayerez le mode sport alors avec Guillaume, ça sera un peu plus nerveux. Ouais. Moi je suis en balade. Comme je vous ai dit, c'est la voiture à ma femme. Si elle regarde la vidéo et qu'elle voit que je fais des bêtises, eh ben c'est pas vous qui allez la supporter. Mais je l'aime ma femme. Allez, je m'amuse un peu quoi. Ma chérie, c'est pour toi. Ça va, ça tient. C'est un petit kart, ça envoie, c'est bien. Après, moi le truc qui va me choquer le plus, c'est de ne pas avoir mon frein moteur. Pour des petites routes comme ça, là, c'est le type de voiture parfait. C'est parfait. Quitte à avoir des cheveux longs à côté de toi, tu préférais que j'ai pas la barbe, mais en tout cas Je préfère que ce soit du sexe opposé. Je préfère que ce soit ma femme, je te cache pas. Que c'est mieux quand même. La présence est plus sympathique. Quoi. Ouais, je me doute. Et c'est le cas pour les petits jeunes, même les moins jeunes. Ah, c'est un aspirateur à gonzesse, hein. Ah moi une fois je promenais dans la rue, y en a une elle a sauté par la fenêtre quoi. Elle m'a dit oh, je suis fou de la bagnole. Bon pas de moi, j'étais malheureux mais bon. J'ai dû la virer manu militari parce que bon ma femme n'aurait pas été d'accord donc voilà. Mais bon, attention avec ces voitures, vous pouvez être amené à être agressé violemment par des femmes qui sautent dans vos voitures. Agressé sexuellement. Sexuellement, je sais pas, mais bon, elles sautent dans la voiture, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Là, ça se trouve à des tarifs tout à fait corrects, encore. Ouais, je pense, ouais. Entre 10 et 15 000 euros, je pense que vous avez un modèle identique, quasi identique, avec pas trop de kilomètres, en bon état. En tout cas, c'est des voitures qui, à mon sens, prendront de la valeur, déjà parce que c'est particulier sur le paysage automobile, c'est quand même particulier. Ouais, c'est joli, quoi, et super belle. Et puis quoi. Moi, je redis, ce modèle-là, c'est le plus beau. Le premier était fade, et le nouveau, je trouve que l'arrière, il est beaucoup trop haut, ça donne une impression de la voiture est plongeante mais c'est pas très jolie, elle a pas d'âme quoi. Ben celle-là ce qui est bien aussi c'est le petit pare-choc en nid d'abeille là vraiment qui donne un style particulier et c'est le petit vraiment très sympathique quoi. C'est le petit nez de F1 aussi style SLR Vision de l'époque. Le jour où j'ai fait ce cadeau à ma femme, on a hésité entre la SLR et celle-là mais bon ouais, on a dit allez on prend celle-là quoi, c'était pas une histoire d'argent hein, la SLR bon je veux dire j'aurais largement les moyens quoi. Mais bon, ma femme a préféré celle-là. Il n'y a pas trop de problèmes de fiabilité sur les toits. Non, on n'a eu aucun souci. Quoi. Du coup, en règle générale, c'est... Ben Mercedes, quoi. C'est voiture fiable. Quoi. Ouais. Sur une cinématique comme ça, de toit rigide et tout, c'est toujours un peu pointu, même si c'est Mercedes. Quoi. C'est pas parce que chez Audi, c'est les capotes qui... Et BMW, c'est du grand n'importe quoi, ça coûte cher et c'est nul. Chez Mercos, il y a la qualité, Mercos quoi. C'est une voiture de promenade, hein, c'est vraiment une voiture de promenade. Hein, De toute façon, ça c'est soit une deuxième voiture si vous n'avez pas d'enfant, soit une troisième voiture pour la déconne quoi. Voilà. On se dit pas, tiens, je vais acheter une Citadine, je vais acheter une SLK. Tiens, je vais acheter une voiture pour faire des bornes, je vais acheter une SLK. C'est un petit jouet quoi. Un petit jouet et à l'occasion c'était le petit jouet, c'était un cadeau d'anniversaire. Voilà. Un joli cadeau d'anniversaire.
de ma charmante dame, de ma femme, de ma dulcinée. T'as vu ma chérie comme je suis gentil avec toi. Voilà. Ça c'est qu'il y a la caméra. Même qu'il n'y a pas la caméra, quoi. Je fais toujours des éloges de ma femme, quoi. Elle est parfaite. Je suis parfait aussi, ça j'y peux rien, mais bon, ma femme est parfaite, quoi. Voilà. Je t'explique pas s'exprimer sur ce point, parce que... mais la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Voilà, exactement, je pense que... il y aurait plein de packs d'eau, quoi, parce que ma femme est très bavarde, quoi. Ouais. Excuse-moi, ma chérie. Ah, on n'est pas bien, là, mon Juju, hein. Oh, alors, hein. Putain, mais putain, il est grave. Je vais vouloir me trancher sur les gorges de l'Ardèche. Allez, arrête-toi sur le bord de la route. Allez, je m'arrête, on y va. Je vais te faire ton affaire. Allez. Ça va être ta fête, laisse ta fête. Bon ben là maintenant ben on va changer de pilote hein. Et comme dirait le célèbre dicton, enlève ta culotte, c'est toi qui pilotes. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a là dans le bide. Oh, ça fait trop bizarre de pas avoir d'embrayage. Je réitère, on est plutôt bien assis dedans. Bon par contre ouais, ça me gêne trop de pas avoir à passer les vitesses. Ouais. Ouais. Ouais, c'est 185, on les sent bien. Ils sont là. Ouais, ils sont franchement, c'est plus agréable que ce que j'aurais pensé. Après, voilà. Après, les changements de rapport, c'est une catastrophe. La position de conduite, elle est bien. Les sièges, ils sont fermes. Enfin, franchement, il y a bon maintien. On sent qu'on est dans une petite voiture. Voilà, le pare-brise, il est très, très plongeant. On sent qu'on est enfermé, on est engoncé dans un petit truc. Donc, ça fait plutôt sport, c'est bien. La direction, elle est pas trop assistée, ça va, tu vois, ça reste... on arrive à lire la route avec, quoi. C'est pas un truc ultra aseptisé. Après, moi, ce que j'adore dans ces bagnoles, c'est que t'as toujours l'impression que le capot, il est 15 mètres devant tes pieds. Ah ouais, ça, il est long. Et ça, c'est super agréable. On sent presque qu'on est assis sur l'essieu arrière. Et ça aussi, pour les sensations, c'est bien. La caravane devant, là, des branlous... pas la caravane du Tour de France, mais... La casse-quête de Jalabert, la casse-quête de Jalabert. J'écrase la pédale et... Ça part, hein. Là, jusqu'à 7000 tours dans la zone rouge, quand même. Ouais, 7000. Ça ronfle bien, c'est assez agréable. Bon, alors, le lever de vitesse, je vais pas en parler parce qu'on le touche pas. Ah, si, alors je pourrais, tu me dis, je peux le mettre en. Ah, d'accord, j'ai pas besoin de. Okay. Voilà, tu pousses un petit peu et moi, tu peux jouer un petit peu avec les. Là, je suis en sport, ok. Voilà. Après, en poussant un petit peu le boîtier, tu peux monter les vitesses. Voilà. Ouais, c'est pas super réactif, mais ça va. Ça vaut pas les palettes. Quoi. Moi, à la rigueur, même je préfère ça que les palettes. Et il faudrait. Là, c'est vraiment une boîte gauche-droite. Donc, exactement. Ouais. À gauche, descend, à droite, je monte. Faut pas se tromper. Quoi. Et j'aurais préféré une droite, je pousse, ça tombe les rapports et je tire, ça les monte. Mais, désolé. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la direction, elle est lourde. C'est-à-dire qu'on la sent. Le fait que de la prendre en séquentielle, vu que le levier, il est vers le bas en drive. C'est juste pas possible en fait, parce que la position de merde que je suis obligé de prendre pour aller le chercher. D'ailleurs, on s'en sert jamais. Oui. En même temps, 4 rapports. Donc la 4, elle doit être super longue. Au fond d'autoroute. Il n'y a pas une 5ème. Non. Donc là, on va pouvoir voir un peu ce qu'elle a dans le bide. Alors, le freinage, ça va. Par contre, les changements de rapport. Dès qu'on commence à être un peu en mode sportif, là, le pilote en mode sportif, c'est pas trop ça quand même. Ça manque là, j'aurais eu besoin pas que le rapport y monte, juste besoin du frein moteur. Du coup on est obligé de beaucoup. Ouais. Faut faire gaffe à comment on enfonce la pédale en sortie de virage parce que ça a tendance à tomber un rapport. J'ai vraiment du mal avec cette boîte. Je vais la prendre. Je vais prendre la même pour voir si j'arrive à la forcer un peu. À la forcer, attention Marie, hein. Je force pas la voiture. Hein. Pas très bien placé pour faire ce genre de truc, mais voilà, au moins là je peux garder mon rapport en plancher. Ça fait trop de temps à changer, ça patine.
Ok, ça va, j'ai rien dit, je pensais que la séquentielle était pire que ça. Bon, après c'est dommage qu'il n'y en ait que 4 du coup. Je suis assez étonné. Bon, je savais que le châssis il était bien. Ça c'est reconnu, c'est un châssis qui a fait ses preuves. Très franchement, j'avais plein de mauvais a priori sur cette voiture. C'est-à-dire que j'ai toujours dit c'est une bonne voiture, mais la boîte c'est une catastrophe. Ah, en automatique, ouais. En automatique ça reste une catastrophe, mais c'est la boîte qui est comme ça en fait. Je pense qu'il y a des boîtes maintenant plus intelligentes qui font mieux le job. J'avais regardé pour acheter une première génération, mais il y a de ça longtemps, quand j'avais mon premier boulot. Parce que j'avais toujours trouvé que c'était une voiture sympa, puis même le côté cabriolet coupé, c'est vraiment bien. C'est ça qui fait le plus finalement. Ouais, surtout à l'époque, tu te disais c'est sympa, je suis jeune, je vais pouvoir choper enfin une fois dans ma vie. c'est ça. Ah, bah, tu m'as dit, elle saute dans la voiture. Quand il y en a déjà une, est-ce qu'il y en a une deuxième qui saute dedans? Ça m'est jamais arrivé, mais il y a des légendes urbaines, il paraît, elles sont arrivées à monter à 3 dans la bagnole. Hein. 3 qui se montaient dessus pour avoir la place. Ah, bah, oui. Pour ça, je comprends, tu étais jeune, tu t'es dit, j'arrive pas à choper. Peut-être avec une bagnole comme ça, ça va le faire. Non, très bien cette voiture. Mais elle s'associe beaucoup mieux avec ma femme, quoi. Oui, je me doute. Parce qu'une belle voiture s'associe avec une belle femme. Ouais, pas avec un gros barbu. Hein. Avec un gros barbu, tout moche, qui a une tête de lama, quoi. Dire ça. Ah non, mais je comprends. Hein. L'association est beaucoup plus belle avec ma femme, quoi, je trouve. Voilà, ouais, c'est pas. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien contre toi. C'est tout à fait objectif, je trouve. En plus. Voilà, exactement. Voilà. Tu vois, il y a des fois où je dis, ouais, la dernière fois on disait la Mini, ça mériterait 80 chevaux de plus. Et ben dans celle-ci, je suis pas sûr que ça mériterait plus, en fait. Ça dépend de l'usage. Tout dépend de l'usage, mais même. Après, si on veut une vraie sport roadster, oui, non, mais. Je vais être méchant, mais à ce moment-là, j'achète pas un SLK. Ah si, tu veux un vrai roadster sportif, t'achètes un Z3M coupé. Un Z3M roadster, pardon. Il me gonfle avec ses BM, Et même, les pas BM, t'achètes une Honda S2000. Vrai roadster sportif, c'est pas BM. Honda S2000. C'est pas beau, quoi. Tu rigoles, c'est magnifique, Honda S2000. Je mettrai la photo, tu vas voir. Oh, Honda S2000, ça prend. C'est de la folie les tours que ça prend. Mais là, 55 AMG là-dedans, je pense que c'est plus une voiture, c'est un dragster. Je pense que les roues avant, elles touchent jamais le sol. Hein. Ah, ouais. 185, je trouve que c'est bien. Par contre, une boîte 6 méca. Elle aurait une boîte 6 méca, elle aurait moins ce côté, tu vois, cruise, drive, tranquille. Je fais ma petite balade, parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, je touche pas ni l'embrayage, ni rien. Bon, il y a une petite partie dans mon cerveau qui me dit, putain, c'est quoi ce bordel, mais réellement, c'est agréable. J'aurais pas cru dire ça. Alors je valide pas parce que jamais j'achèterai ça avec une boîte d'auto. Mais franchement la même avec une boîte Méca 6, franchement je pourrais me laisser séduire. Ben alors moi pour le mot de la fin, ben, je la connais cette voiture, donc à la rigueur j'ai rien appris de particulier. Moi je la trouve toujours vraiment sympathique quoi, pour promener et tout quoi. Donc suite à notre dernière vidéo qu'on avait faite sur les Mini, c'était un peu la voiture de la ménagère de 50 ans que son mari a fait gna 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 gna. Et bien celle-là, je trouve que c'est une voiture qui est parfaite pour les femmes qui sont parfaites, quoi. Voilà, tout simplement. Et je dis pas ça parce que c'est la voiture de ma femme, quoi. Voilà. Donc, les femmes parfaites qui veulent se faire plaisir, promener, et bien demandez à votre mari une petite SLK. Et vous... Ouais, c'est pas très cher maintenant. Enfin, voilà, ça reste correct. Et vous ne serez pas déçus, quoi. Allez-y. Franchement, si vous avez l'argent, l'utilité et que vous avez voulu faire plaisir, franchement, je vois pas. Et prenez pas de boîte auto. Ça, je pense que je l'ai assez répété. Il a du bagou le bougre, hein. Ouais. Il doit vous saouler un petit peu. Hein. Vous avez le droit de lui dire dans les petits commentaires. Tu nous pompes, il est toujours en train de parler. Profite du paysage là, putain. Profite là, apprécie quoi. Ah, j'apprécie, regarde, le petit soleil là. Voilà. Je voudrais faire une petite dédicace. Si j'ai une deuxième passion pour la voiture. La sodomie. Non, ça. Pas pour moi, merci. Ma femme, bien sûr. Quoi, qu'est-ce qui te fait rire? Bien sûr, j'ai une passion pour ma femme. Ah, d'accord, pardon. Attends, non, on n'est pas sur le même sujet. Ok. Voilà. Des dunks achetés chez Circle Skate Shop à Avignon, quoi. Circle Skate Shop à Avignon. Donc, merci à toute l'équipe. Franchement, grâce à eux que je les ai eus. Ouais, j'aime bien les baskets, donc je voulais leur faire un grand merci. C'est grâce à eux que j'ai eu cette paire formidable, quoi. Voilà. Bon, on n'a pas d'action chez eux, on vous rassure. C'est pas sponsor, c'est pas un placement de produit. Voilà, nous ne savons même pas qu'on a fait ça. Ouais, c'est pour le fun, ça nous fait plaisir. C'est pour le fun, mais je voulais les remercier, quoi, voilà.